Bonjour et bienvenue, c'est Béné, on se retrouve pour le 38e épisode de Assassin's Creed Brotherhood. Donc allez, c'est parti. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher le segment 9. On va essayer de le trouver. Et après, on va essayer d'aller chercher le dernier. Donc le 9 est au palais sénatorial. Le dernier sera Vatican. Basilique Saint. Je sais plus. Il sera au Vatican le dernier. Donc on va d'abord aller chercher celui au palais sénatorial. Juste à côté. Hein. Ouais. Donc au niveau du son, c'est nouveau PC, donc des nouveaux réglages. Donc j'espère que ça va être bon. On verra bien. Alors, palais sénatorial qui est ici. On va voir, on va grimper. Hein. Pas du tout ce qu'il est. J'espère que je vais le trouver. Allez. Ah, il est là. Ok, pas compliqué à trouver. Très bien. Ok. Allez, segment 9. Alors, qu'est-ce qui va nous attendre? Chargement. Il nous écoute avec ses véhicules plus rapides que des bolides. Il parle pas de satellite par hasard? Logiquement. Mais... ça. Ouais. Déjà, ça c'est quoi ça? Ok, on va voir aussi qu'il y a le câble électrique à chaque fois. Il y en a. Ok, c'est là, en fait c'est la chargement. Câble électrique. Allez, regardez. Ça va, je pas trop dur. Je sais que tu es là. Je veux rentrer. À la prison. S'il te plaît. J'ai besoin de toi. Ne me laisse pas ici, dans le noir. Chargement. Ok, j'avais coupé le son sans faire exprès. Alors. Ça va être la merde. Hein. Ça va être la merde. Je sais pas trop. Non. Oh. Oh, ça va être la merde. Ah oui, si j'enlève celui-là... Oh non, putain. Mais là, si je... Ah non, mais c'est là, putain. C'est pas bon.
c'est pas bon. Je sais pas. Oh, oh oui, magnifique. Waza. Gare-toi. Gary, qu'est-ce qu'il y a? Il faut que je te parle. Tu sais, ces documents de la CIA pour mon prochain bouquin. Sur les grandes compagnies? C'est encore pire que ce que je pensais. Bilderberg n'est qu'une diversion. Je vais te donner un nom. Abstergo. J'en ai jamais entendu parler. C'est une société fantôme. Ils ne sont enregistrés nulle part, même pas cotés en bourse. Rien à se reprocher. Mais tous les membres ont des parts dans des sociétés étrangères. Coca-Cola, Kraft, l'industrie pharmaceutique, Détroit, Wall Street. Toutes sont liées de près ou de loin à Abstergo. Et alors? Ils ne sont pas loin de diriger le monde. Ils ont même des types à eux dans le gouvernement, tu te rends compte? Écoute, il fallait que j'en parle à quelqu'un. Jusqu'ici, je n'ai rien dit à personne. Mais je peux plus garder ça pour moi. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais finir ce livre. Je vais tout balancer. Bientôt, le monde entier saura ce qui se passe. Système de contrôle du véhicule désactivé. Allô, D? Prévenez le quartier général qu'il y a un imprévu. Rien de bien grave, mais nous allons avoir besoin de quelqu'un pour régler un petit problème de sécurité. Parfait. Félicitations pour votre promotion. C'est du bon boulot. Chargement. Chargement. Zone de quarantaine. Les paysans sont comme la mer, déchaînés et imprévisibles. Voilà pourquoi nous avons érigé des murs. Je ne vois pas de murs. Vraiment? Regardez autour de vous. Boissons gazeuses, sucreries, magazines, programmes télé, pilules en tout genre. Les murs du 21e siècle nous entourent. Quarantaine levée. Ouais, donc ça y est, c'est fait. Petit souci de micro, bon, c'est pas grave. Pas grave, donc l'énigme est résolue. Donc maintenant, le dernier énigme, ça va être au Château Saint-Ange. Donc il va falloir y aller. Vaincre cette dernière énigme. Donc allez, je vous dis à de suite. Ok, bon, on est devant le château, mais je suis obligé de passer par là pour rentrer. Donc je suis obligé d'activer la mission. Malheureusement, je peux éviter. Non, je peux pas éviter. J'ai vu dans le château de Saint-Ange, j'allais trouver le pape. Ok, c'est parti. On va s'introduire. Donc il va falloir en même temps chercher le... comment on appelle ça? J'ai oublié. Ouais, le...
Ok. Le segment. Voilà, je cherchais le nom. Allez. Ok. Faut, je passe comment là. Et... Ok. J'ai pas trop pour repasser là. Non, c'est pas. Pas où je passe. Je passe. On est peut-être par là. Ok. Bien par là. Arrêtez-le tout de suite. Je le vois plus nulle part. J'ai trouvé là-bas. Non, il bouge pas. Il va me jeter des cailloux. Je vais me faire couiller. Oh là là. Ok, c'est bon. Est-ce que je vois quelque chose là avec mon pouvoir? Est-ce que je vois quelque chose quelque part? Peut-être. Non. Oh non, mais pas du tout. Super. Allez, on revient. Aïe 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 aïe. Allez. Allez. Ok. On va essayer de faire attention de pas. Tout à l'heure. Ok, je peux passer par là. Mais non, mais arrête! Oh là là, il m'a saoulé déjà. Putain, mais il est con quoi, sérieux? Putain. Oh là là, il est casse-couille. Allez, voilà, voilà, super. Ah. Passe par là. Ok. Là, faut que je monte sûrement par là. Ouais. Très bien. Et il a compris. Est-ce que je vois quelque chose d'intéressant? Voilà, quelqu'un là-bas qui me guette. Ok, allez, monte. On va faire le tour du château. Si je me rappelle bien, il était au niveau du château. Segment. Ok. Ok, je vais éclater. Je vais éclater bien comme il faut. Ouais. Allez. Mais non, putain, mais saute. On va t'avoir. Allez. Ok. Moi je m'en fous pour l'instant de la mission, je cherche le segment. La mission, ça sera pour la prochaine fois. Et même pour... Non, toujours pas. Je me rappelle bien, c'est qu'il est... Il est au niveau du château. Hein. Ah, c'est sûr. Ok. Je sais pas. On va trouver. Ok, super. Tu ne t'échapperas pas. Bien joué. Ok. Et là, il y a quoi? Rien du tout.
continuer. Super, je me suis fait défoncer. Ok. J'ai perdu sa trappe, le voilà. Vite, ok. Ça c'est bon. Toujours pas. On va bien le trouver quand même. Ok. C'est de fou ça. Ah. Voilà, il est là. Très bien. Je me rappelais bien qu'il était au château. Magnifique. Maintenant, on va grimper. Et on y va. Bon, ça, on n'a pas trop galéré au final. Ah, super. C'est n'importe quoi. Bref. Voilà. On va remonter. Ok. Il est où? Ok, là-bas. Oublie. Ça fait... Non mais attends, c'est une blague ou pas? C'est une blague. Vraiment une blague. Je m'accroche pourtant, hein. Franchement, je m'accroche. Hein. Allez. Ça marche pas. Ok, je suis obligé de refaire le tour alors. Oh là là, c'est pénible. Là-bas, il est à vous. Ok. C'est vraiment, vraiment casse-couille. Comme ça, voilà, c'est bien. C'est bien, disons, c'est bien. Allez, dernier segment. Mais où était Lilu? Tu m'as manqué. Chargement. Ok. Ouais. Bien. Donc c'est la Terre en fait, hein, on a bien compris. Avec les satellites. Aïe. Alors. Qui va pas. Ah, c'est celui-je mieux qui va pas.
Ok. Ok. C'est infernal. C'est infernal. Infernal. Ah bon, je vais faire une petite ellipse. On se retrouve directement pour la soluce. Ok. Bon, ben, j'ai un peu galéré, hein, mais bon. Maintenant, on a l'habitude. On a l'habitude. C'est pas le plus dur, hein, mais... Bref. Ô mire des mondes, quelle main, quel œil immortel purent fabriquer ton effrayante symétrie. Chargement. Centre de raisonnement activé. Je comprends. Je comprends ce que je dois faire. Pourquoi je suis ici? Je dois... Centre de mémoire long terme activé. Non. Non. Arrêtez. Arrêtez. Tuez-moi. Chargement. Ok, un produit que nous fabriquons sans main ni machine. Pourquoi sans main? Je comprends pas trop, les gars. Pourquoi le délire sans main ni machine? Je comprends pas. Ah, peut-être l'électricité, mais... Je comprends pas trop. Hein. Bon, on va faire une petite ellipse encore une fois. Je pense qu'on va se retrouver... Je vais essayer vite fait 2 minutes, mais... Voilà, un produit que nous fabriquons sans main ni machine. Est-ce qu'il faut des antennes? Par exemple, il y a des antennes. Bon, s'il y a une antenne, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Oh, une. Il y en a une. Il y en a une. Ok, c'est pour ça. C'est pas ça. Oh là là, c'est... Bon. On dit que nous fabriquons sans main une machine. Ah, les hommes? Non? Est-ce que c'est là où il y a des foules de... Là, il y en a un. Et une foule. Là, il y a une foule. Là, il y a une foule. Là, il y a une dame. Non, c'est pas ça, là. Pas ça du tout. Ah si, là, il y a une foule aussi. Alors là, où il n'y a que des foules. On est d'accord. Là, il y a une foule. Ah, attends. On reprend. Là, il y a une foule. Ok. Là, il n'y a personne. Là, il y a une dame. Là, il y a de la foule. Là, il y a de la foule. Là, il y a un homme. Là, il y a de la foule. Là, il y a de la foule aussi. Ouais, j'ai pas compris. J'ai rien compris. C'est purement génétique. Ils sont tous nés comme ça. Nous n'avons même pas besoin de les convaincre d'accepter.
Bah, j'ai rien compris, donc Et pourtant, le dernier qui m'a refusé, il y avait de la foule, mais ça n'a pas accepté, mais ça a accepté les gosses qu'il y avait. Comment j'aurais pensé qu'on fabriquait sans main ni machine. Donc j'aurais pensé que l'être humain était fabriqué sans main, sans main et sans machine, quoi. C'est fabriqué... Voilà, quoi. Hein, je me comprends, j'ai compris ça. Mais... Ouais, si, peut-être les enfants... Je sais pas. Moi j'ai compris ça, après peut-être que je me trompe, je sais pas du tout. Bon, c'est je pense que je dois pas être bien loin de la vérité. Je me trompe. Chaque jour qui passe, le peuple est un peu plus fort, la liberté prend son envol annonçant la révolution. Il n'y a que des révolutions. Donc je sais pas trop. Faut chercher un... Ah ben... Ah non, c'est pour ça. Ok. Je pense qu'il faut chercher un signe. Un signe comme ça. Un truc, ok. Là, il y a... Pas simple. Au moins pas. Là, il y a un aigle qu'on voit pas à l'image. C'est ça? C'est quoi? Un jour, il pèse car le peuple est plus fort. La liberté prend son envol annonçant la révolution. L'aigle, je crois, c'est le symbole de la liberté, non? L'aigle. Pour ça. Ok, bon, j'ai pas mis longtemps à trouver, mais bon, j'ai pas tout compris non plus. Super. Alors. 2-6. Alors, faut mettre... Le... Ok, petite ellipse. Non. Ok. C'était quoi, 334, je crois? Chargement. Je crois que c'était 330. Bon, j'ai fait au hasard. Oui, ça m'a pas pris très longtemps, mais dans le hasard. J'avais les deux premiers. Et j'ai gardé le 89 pour faire tous les chiffres. Mais là, ça m'a pris 5 minutes. Mais bon, j'ai fait au pif. Bien. Activité cérébrale anormale découverte chez des enfants âgés. Ok, non, je croyais que j'avais pas mis le. Je croyais que j'avais pas remis. Remis le micro. C'est bon. Activité cérébrale normale découverte chez des enfants âgés de 3 mois et 18 ans et chez adultes de moins de 30 ans. Extrait. Plusieurs études récentes menées par des équipes marketing internes en sont arrivées à cette conclusion. Les ventes dans le secteur du divertissement sont en chute libre, tandis que l'insatisfaction augmente. L'économie connaît une phase de grand bouleversement. Toutes les études de marché indiquent que le système devrait se stabiliser, alors qu'en fait, c'est exactement l'inverse qui se produit. Pour approfondir cette étude, notre équipe a tenté de connaître des réseaux qui font que les méthodes de contrôle mises en œuvre par Abstergo sont moins efficaces. Les études déjà menées sur l'activation bilatérale du cerveau survenant quand le sujet suit un programme télévisé, regarde un film ou utilise un jeu vidéo ont mis une évidence sur le modèle SRA caractéristique provoqué par les signaux d'Abstergo. Notre étude a été menée sur un panel représentatif de 30 individus âgés de plus ou moins 10 à plus ou moins 30. Regarder leur poste de télévision pendant que nous leur faisons passer un IRM fonctionnel. Contrairement à ce qui est ressorti de cette étude menée précédemment, 80% des sujets de test ont présenté des activités cérébrales importantes localisées dans l'aire corticale. Les scanners précis reposant sur notre prototype de machine IRMD ont été révélés un taux plus élevé de développement neuronal, plus ou moins 30% au-dessus de celui de notre groupe plus âgé. Une augmentation aussi notable ne correspondant en rien au modèle darwinien. D'autres études sont nécessaires pour déterminer quel sera l'aboutissement de cette évolution anormale. Rapport marketing trimestriel d'Abstergo, 17 avril 2012. Chargement.
Ok. Donc oui, désolé, j'ai coupé le son 2 secondes. Mon fils m'en parlait. Allez, un autre truc. Un autre truc. Un autre truc. Super. Super. Allez, petite ellipse. Bon, j'ai pas trouvé, donc ce que j'ai fait, forcément, Solus, j'ai galéré pendant je sais pas combien de temps. C'est bon, voilà, c'est la Solus, c'est ça. Et je comprends pas, ces énigmes, c'est des trucs de ouf. Si vous écoutez cette bande, c'est que j'ai quitté ce monde, et que je vous ai cédé cette formidable entreprise, Abstergo, qui représente le grand espoir de l'humanité. Ne faites pas confiance à ceux qui vous conseillent dans votre entourage. Leurs préoccupations sont superficielles. Ils sont bien trop attachés à leur mode de vie. Nous avons créé le capitalisme, mais nous ne sommes pas des capitalistes. Notre cause est noble. Le système de contrôle que nous avons mis en place grâce à l'argent est loin d'être infaillible. Il n'est qu'un moyen de panser une blessure à laquelle nous avons consacré toute notre vie. Les habitants de ce monde ne savent plus quoi penser. Ils se sentent perdus et incapables de produire quoi que ce soit de façon autonome. Sans nous, ils ne seraient rien de plus que des animaux, les esclaves de ceux qui étaient là avant, qui n'ont pas mérité une telle responsabilité. Nous les avons sauvés. L'auriez-vous oublié? Ben, assez parlé du passé. Je dois vous mettre en garde. Une grave crise se profile. Tous ceux qui vous entourent nieront l'évidence, mais bientôt nous serons dans l'incapacité de créer de nouveaux marchés. Les populations n'écouteront plus nos économistes. Elles ne seront plus sensibles au divertissement que nous leur proposons. La fin de l'économie de marché se retournera contre nous. C'est pourquoi il ne faut pas attendre. Jusqu'ici, vous avez vu ce que seuls les grands maîtres de notre ordre ont vu. Désormais, vous connaissez la raison d'être d'Abstergo et pourquoi tout ceci était nécessaire. Et vous savez maintenant ce qui vous reste à faire. Vous devez aller jusqu'au bout. Nous les libérerons de la peur, de la pornographie, de ces besoins primaires répugnants, et aussi de la démocratie. Un jour, l'humanité nous remerciera. In hoc signo vinces. Chargement. Ok, alors, 64 cases, toutes les rangées, toutes les lignes, chaque coup anticipé, chaque réponse calculable, c'est un goal à créer, ce jeu est celui de la compagnie, il n'y a pas d'issue. Acte 2, SC2, 192, Abraham, Los Ojos, Toam, Libella, Mentem, le roi, F2, à vous. Le roi. Le roi F2. Le roi. Et le roi F2. F2. Le roi. Alors F2. Voilà. Voilà. Ok. F2. F2. Le roi F2 à vous. Ok. Là, je me rappelle. Changement. Je me suis rappelé. Je m'en suis débarrassé, mais rien n'y fait. Le moment est presque venu, Desmond Miles. Je sais comment ouvrir le chemin. Bientôt, ma raison d'être sera révélée. Bientôt, je ne serai plus seul. Je m'en suis rappelé de cette dernière phase, de la dernière fois que j'ai fait le jeu.
je me rappelais qu'il y avait, il y avait un pion qu'il fallait prendre. Fallait prendre. Voilà. Voilà. Alors je sais pas, je sais pas si c'est ça qu'il faut faire. Yeah. Je comprends pas. Je comprends pas. Et le tour, hein, j'appuie, je spam en faisant le tour. C'est bon. Ok. Spam en faisant le tour, hein. Ok. Quarantaine levée. Oh là 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 là. Ok. Le miracle est dans l'exécution. Il y a rien ici. C'est bizarre. Je vois une grande quantité de données. Le miracle est dans l'exécution. Qu'est-ce que ça veut dire ? J'en ai pas la moindre idée. C'est son côté nihiliste, peut-être. Il se moque de nous. À moins que... Ce soit pas une vidéo. Attends. Lance-le dès que tu es prêt. Ok. Souhaitez-vous lancer ce fichier, la mission en cours sera annulée. Ouais. Tant mieux qu'elle soit annulée. Allez. Tant mieux, moi je pourrais faire d'autres missions secondaires. Voilà, c'est quoi ça? Je me rappelle plus du tout. Ok. On suivre ça. Un peu chelou leur truc, hein. Vraiment bien bien chelou. Ouais. Compliqué, hein. Ouais. Je sais pas où il faut aller, mais... Ok. Ouais. Que ce délire, hein. Ok, c'est pas bon. Apparemment, il y a plusieurs routes, super, on va s'égaler. Donc il faut aller à droite là. Il y a peut-être. Ok, pas du tout. Ok, donc on va aller à gauche. Ah si, c'est bon, parce que là je annonce. Bon. On va se régaler encore. Donc on va aller à gauche. Pause. On est là. Mais frère, ok, je comprends pas là. Ah là, c'est bon. Ok, si si c'est bon. Attends. Comment bon. Thank you.
Ok, si c'est bon. Alors faut changer de route maintenant. Oh là là, mais c'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire? Allez. Bon, il y aura des cuts, hein, forcément. Compilation des sous-systèmes. Infrastructure. Tendon. Cœur. Voix. Sujet 16. Oui, oui, enchanté, sujet 17. Tu es mort. J'ai vu ton sang. Le temps presse. Beaucoup plus que tu ne le crois. Il est trop tard pour les sauver. Qui? Elle n'est pas celle que tu crois. Tout ce que tu espères devenir, tout ce que tu chéris, ça n'existe plus. Explique-moi, je t'en prie. L'Éden, elle... Dans l'Éden, trouve Ève. La clé, son ADN. Continue. Impossible. Le soleil, ton fils... trop faible, il faudrait plus d'énergie. Attends! Je serai avec toi jusqu'au bout. Retrouve-moi dans les ténèbres. Tu vas bien. Tu nous as fait une de ces peurs. Ça va. Je crois que j'ai vu 16. Lève-toi lentement. On dirait que cette mémoire endommagée fonctionne mieux. Un rêve. C'est incroyable. J'ignore ce que c'était, mais c'est plus là. Toute seule. C'est comme si on t'aidait à guérir d'un traumatisme psychique. Fais une petite pause avant de retourner. Alors, quand tu seras fini, je serai quelqu'un d'équilibré. Ah là, j'en sais rien. Mais l'idée me plaît bien. En fait, tu dis ça parce que tu te sens coupable de lui griller le cerveau. Tu devais pas laver les chiottes, toi. Je voulais pas te faire peur. La solidarité féminine. Communiste. Ok. Dès que t'es prêt, on y retourne. Ok, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. Donc en tout cas, j'espère que cela vous aura plu. On se retrouve très vite pour la suite de Assassin's Creed Brotherhood. Allez, peace, prenez soin de vous.